là, on se situe directement au sortir des maisons du village. On voit que le feu est vraiment descendu très très bas. C'est hallucinant. Donc là, on est littéralement dans un paysage lunaire. Le chemin, bon, est défoncé, ça c'est le moins grave. Il y a une forte odeur de cendres. Enfin, c'est une catastrophe, en somme. Et là, j'ai juste fait une cinquantaine de mètres. Je m'attends au pire sur la suite du sentier. À ce stade, on a vraiment l'impression d'être entouré par la mort, en fait. Il n'y a pas mieux à dire. C'est désertique, c'est lunaire, c'est terrible. Donc là, je vous reprends parce que les premiers dégâts sur le sentier se font voir. Donc là, c'est déjà obstrué par un arbre qui s'est abattu. Je vais quand même essayer de me faufiler et ça devrait quand même y passer. C'est hallucinant le contraste entre le fait que quand on se promenait ici en temps normal, c'était verdoyant, c'était limite ombragé, frais, grouillant de vie, et là, c'est mort. Nouveau petit point facecam pour souligner le fait qu'à mesure que j'avance sur le sentier, ce qui me frappe le plus, c'est vraiment bon ce silence de mort. Hormis bon le bruit des moteurs qui vient quand même de la civilisation pas très loin. Mais donc là on n'entend plus vraiment d'animaux, on n'entend plus beaucoup les oiseaux. Enfin c'est perturbant quoi. À noter que je marche aussi littéralement sur une sorte de barbecue géant. C'est affreux la couche de cendre qui a déjà pu se déposer. C'est amusant, comme si j'étais d'humeur à ironiser, je dirais que finalement, ça a permis de dégager la vue sur des endroits que je soupçonnais même pas à l'époque. Mais bon, vu le prix que ça a coûté, on va s'abstenir. On pourra noter qu'heureusement, ce sont les vieux paillers de pierre qui ont le mieux résisté apparemment à l'incendie. J'espère qu'il en est de même pour la chapelle. Toujours aussi hallucinant quand en fait vous reconnaissez les endroits par lesquels vous êtes déjà passé plusieurs fois, mais en version vivante. C'est affreux. Donc là vous voyez la présence de ces espèces de joncs qui signalent après la proximité du petit ruisseau qu'on doit entendre d'ailleurs pas très loin. D'habitude pour vous situer c'était une sorte de jungle verte impénétrable, mais là plus aucun souci pour trouver le chemin et même apercevoir la petite source d'eau. Hein. Juste une nouvelle petite interruption pour signaler un petit détail que je viens de noter. C'est qu'en fait, bon, je ne sais pas si vous le verrez très bien, j'essaie de me rapprocher de lui. J'ai l'impression qu'il y a déjà quelqu'un qui est repassé pour refaire le marquage jusqu'à la chapelle. La peinture, elle me semble super fraîche et ça a permis de ne pas trop se perdre vu que là, c'est la partie un peu hasardeuse. Donc ici, nouvelle illustration de ce que je disais concernant les paillers de pierre. Encore un qui ne semble pas spécialement affecté alors que l'orne et les alentours sont complètement calcinés. Alors pour la petite info, cet endroit c'était un gros capharnaüm de fougères. On ne savait jamais trop par où passer et là comme vous pouvez le constater, table rase a été faite hélas. Pratique mais bon, pas spécialement plus joli on va dire. Alors je sais pas si on peut y voir ça comme un signe de la nature qui reprend ses droits malgré tout. Mais vous avez un champignon qui a dû pousser quand même après l'incendie parce qu'il semble pas du tout cramé, à part un dépôt de cendres. Donc on a une seconde confirmation de la nature qui reprend ses droits avec un autre champignon de la même espèce qui repousse. Donc là si je reconnais bien l'endroit par lequel je passe, c'était en quelque sorte le premier sommet avant de bifurquer brusquement sur la droite.
Bah, à la base, vous aviez tout un tas d'épaisses bruyères, pardon, ici, qui cachaient la vue, mais qui faisaient un bel écrin végétal. Là, maintenant, je vous laisse constater ce que ça donne. Donc là, pour la petite histoire, à ce stade du chemin, on traversait littéralement une sorte de tunnel végétal qui se rabattait sur nos têtes. C'était hyper sombre, mais bon, là, comme vous pouvez le constater, plus vraiment de soucis de ce côté-là, hélas. Donc là, on retrouve toujours bien les flèches qui ont été remarquées, donc au jaune fluo, qui, à mon avis, sont vraiment très récentes. Ou en tout cas, qui n'ont pas spécialement dû souffrir de l'incendie. Donc là, on devrait plus tarder à arriver à la chapelle. Donc, grosso modo, le feu a commencé de derrière les crêtes que je suis en train de vous montrer actuellement. Et il est passé donc en fin d'après-midi de ce côté-là, où il a fait des ravages monumentaux. Donc là, ouais, je suis en train d'arriver à la chapelle. Je pense que je ne l'ai jamais vu aussi précocement sur le trajet. Donc là, au loin, on peut bien remarquer les lignes d'arrêt de la progression du feu, avec ces bandes de verdure qui ont réussi à persister malgré tout grâce au travail des pompiers. Donc là, je vous reprends encore une fois en facecam pour vous faire part d'une de mes nouvelles découvertes. C'est-à-dire qu'en fait, les murs effondrés de la chapelle étaient juste sur le côté et devaient être planqués par les bruyères. J'en ai ici. Attendez, on va essayer de faire en symétrique. Voilà, et j'en ai juste derrière moi. Des 3-4 fois où je suis monté ici, voire même plus, c'est la première fois que je le note. Comme quoi, hélas, ça permet de faire des découvertes, ce genre de catastrophe. À ma grande surprise, la croix qui était à l'intérieur n'a, Dieu merci, pas brûlé, mais simplement abattue. Je vais essayer de voir si je peux éventuellement la remettre en place, mais ça me semble pas facile, dans le sens où j'ai l'impression que c'est son socle métallique qui est cassé maintenant. Voilà, donc je vous reprends une dernière fois de la chapelle où, comme vous pouvez le constater, j'ai remis tant bien que mal la croix en place, au moins par respect. Sur ce, bon, je vais redescendre et essayer d'oublier tout ça. Au revoir. Bon, alors décidément, alors que je devais arrêter cette vidéo, la série noire continue. Je ne sais pas si vous le verrez très bien parce que là, donc derrière moi, j'ai un hélicoptère qui tourne autour de ce qui semble être un nouveau départ de feu. Donc là, ça devient franchement problématique et ça devient complètement honteux à ce stade. Donc bon, en espérant que celui-ci soit contenu assez rapidement pour éviter le désastre que vous pouvez voir autour de moi. Parce que là, franchement, c'est pas réjouissant, hein. Donc là, je vais essayer de filmer quelques minutes de ce côté. Bon, à titre personnel, c'est vrai que j'ai l'impression de voir des petites fumées s'élever. Je sais pas si vous les verrez à l'écran, si la résolution est suffisante. Ça se situe, si vous voulez, donc juste après cette petite pointe que je montre du doigt. Ça devient, comme je l'ai dit, franchement honteux. Les mots me manquent là, à ce stade. Mais bon, essayons de vite partir en attendant.